Micro est allumé, tout va bien. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien, nickel. Je vois sur mon petit PC qu'on est beaucoup plus que ce que le live affiche. Bonsoir, Mystique Tess. Bienvenue sur la chaîne. Je ne pense pas t'avoir déjà vu. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Salut Rhymes! Oh là là! Nope! Eh ben, bienvenue! On va commencer Deltarune, donc j'espère que tu es fan et que tu vas aimer ma façon de jouer. Parlant de ça, je vous avais promis aujourd'hui un live facecam. Eh ben, je me recoiffe et je suis à vous dans 2 petites secondes. Pour être sûr que je ressemble quand même à quelque chose, puisque il va y avoir du nouveau sur la chaîne. Attention, attention. Bonsoir. Voilà. Donc, ben Mystique Tess, ben moi c'est Mimi. Voilà, Mimi, les cheveux crôlés. Donc voilà. À partir de maintenant, je pense que je vais live comme ça, tout simplement. J'espère que ça perturbe pas trop cette couleur bien flamboyante, surtout avec le reflet de la lumière. Enchantée. Enchantée également. Alors voilà, on va faire du Deltarune avec la musique qu'on entend en arrière. Donc on va faire du Deltarune ici toute la soirée. J'espère que ça va vous plaire. Alors c'est mon premier live cam total. Cam comme ça aussi. Les belles bouboucles. Merci. Je me suis appliquée aujourd'hui à ce que ça ressemble un peu à quelque chose. Donc si elles sont jolies, je suis contente. Donc voilà. Je pense que c'est tout. Je vais jouer toute seule. Et on va commencer tout de suite. Je bois un petit coup. Je bois un petit coup. Voilà. Donc voilà. Moi j'ai beau faire, mes boucles ressemblent à rien. Sérieusement, ils sont plus ondulés que bouclés là. Là, je tire un peu dessus, mais si je tire pas, c'est ondulé. Mais t'inquiète, je comprends. Je pense que je suis passée par 4000 shampoings différents et j'ai toujours pas de résultat qui me convient. Genre, je pense que c'est la première fois depuis le début de l'été que je laisse mes cheveux pendre. Je pense que les lives vont être bénéfiques à la respiration de mes cheveux. On se comprend. Bon. Sur ce, ben, je pense qu'on va partir... qu'on va partir sur le jeu. Jeu que j'ai fermé, jeu que je vais devoir relancer. Donc je vais couper, je vais d'abord lancer le jeu et je vais couper la musique. Donc ouais, la musique ne se coupe pas. C'est ça, l'organisation Mimi. J'adore, oui, parce que je vais devoir faire attention à mes mimiques. Je vais bouger ça sur le côté. Ça va bugger. Ben non, vous ne voyez rien. Ça va bugger, mais on ne voit rien. Donc normal que ça ne va pas bugger pour vous. Alors, normalement, paf, bienvenue sur cette nouvelle scène. Je l'ai fait ici rien que pour le jeu. J'ai décidé de ne pas jouer en plein écran parce que j'ai pas joué en plein écran lors de mes premières parties. Et je suis habituée sur l'écran de base du jeu. Donc, j'espère que vous pourrez profiter. Je parle par-dessus la petite légende, mais vous verrez qu'on la racontera dans l'histoire, dans le jeu. Donc on ne va rien louper. Donc pour faire simple, Deltarune n'est pas la suite d'Undertale. Alors ça, faut l'enlever directement. Ceux qui connaissent Undertale, ça n'a rien à voir. Bon si, un peu, mais ça n'a... Ce n'est en aucun cas lié. C'est là que je veux en venir en fait. Et bon, il est sorti il y a quoi, 2-3 ans maintenant. Bon, plus de 3-4 ans maintenant. Un 31 octobre, je m'en souviens puisque c'est tombé comme un cheveu dans la soupe en mode... Tenez, cadeau. Merci Toby Fox. Et donc voilà. Ah, oui, par exemple, Deltarune, c'est bien mieux. Je vois qu'il y a un problème avec le chat. Ça, c'est pas cool. La boîte de chat, je vais changer ça tout de suite. Arrière-plan. Alors ça, c'était pas prévu. Couleur du texte, on va la passer en blanc. Très chère Loulouche, sois mon Kobe. Écris quelque chose. Ou caca qui est là, écrivait quelque chose que je vois si le chat passe bien en blanc. J'aurais pas l'air débile s'il passe pas en blanc.
Et c'est dans ces moments-là que je vais me sentir un peu seule le temps que le décalage se passe, en fait. Hello, c'est parfait. Merci, Mystic Tess. C'est un peu grand, non? Je pense que je vais quand même réduire la taille de la police parce que c'est un peu grand. On va essayer à 29. Avec plaisir. Bon, là, faudra attendre qu'on renvoie des messages pour voir si c'est bien mieux. Voilà. Parfait, je pense que ça va être bon comme ça. Donc voilà, c'est ma petite... mon nouveau petit... ma nouvelle petite fenêtre. Alors oui, faites pas attention, j'ai déjà joué, comme j'ai déjà dit sur le Discord. Si tu veux, Mystic Tess, on peut t'envoyer le lien du Discord. Plutôt, on peut t'envoyer... On va t'envoyer le lien du Discord. J'ai déjà joué plusieurs fois à Deltarune. Et j'ai même commencé Deltarune avec... Hop là, j'ai déjà commencé Deltarune sur la Switch, donc je suis une grande fan, tout simplement. Et on en avait discuté, ben voilà, j'ai déjà deux fichiers d'ouvert parce que justement, j'ai déjà joué tout simplement. Bon, sur ce, est-ce que vous êtes prêts? Puisque si oui, on va y aller. Attends. Mystic Tess, j'ai pas entendu ton follow. T'as follow quand? J'ai pas entendu. En tout cas, ici je vois sur mon fil d'actualité que t'as follow. Je suis absolument désolée. Je ne l'ai pas entendu. Oh mon dieu. Il y avait un follow avant que tu arrives. Oui, j'ai vu que Rhymes a follow. Merci du follow. Mais j'ai pas entendu ton follow, Mystic Tess. Je suis vraiment désolée. Merci beaucoup pour le follow. C'est super sympathique. Et c'est là que je me rends compte à quel point j'ai oublié quelque chose d'important dans cette scène. C'est la boîte d'alerte. La boîte d'alerte. On va mettre la boîte d'alerte. Pourquoi elle est énorme, la boîte d'alerte? On va mettre la boîte d'alerte au-dessus de ma tête. Hop là. En plein milieu, on va mettre en plein milieu. En tout cas, merci beaucoup. Moi, sur ce, je vous dois 2 minutes d'ASMR, puisque c'est ce qui est convenu à chaque follow de l'ASMR, sinon c'est pas drôle. Alors, j'espère qu'on va m'entendre quand même. Wesh. Bonsoir, Kouros. Ah oui, je vais monter le son après. Alors, on va pouvoir commencer à jouer, tout simplement. On va commencer la nouvelle partie. Bah voilà. Je vais lancer le jeu à côté. En fait, Kouros, il arrive toujours pour les minutes ASMR. C'est toujours pareil, il arrive toujours pour l'ASMR. J'en fous la plage à chaque fois qu'il y a de l'ASMR en fait. Soyez prêts. Je vais augmenter le son. Et bien sûr, je joue en version traduite parce que... Bah parce que c'est mieux en français. Après, tu te plains quand je fais des gribouillis orange pour te représenter en Scribble, Gartic. Merci. Je pense qu'on va créer la compagnie des boucles. On va défaire ceux qui sont pas contents des boucles. Donc ici, le jeu commence tout simplement. Et déjà, je suis pas un gribouillis orange. Je pense que je suis assez bien coiffée encore aujourd'hui. Moi, je me vois dans le stream là, puis ça va, ça passe. Il y a encore la masse qui est derrière. Bonjour! Moi, ça va, ça passe. On est bien. Bon. Comment je vais faire mon personnage? Avec des cheveux comme un mouton, bien évidemment. Bonsoir! Bonsoir, Nono! T'as loupé 2 minutes d'ASMR. Mon corps, comment je me vois? Je vais me voir avec un sweatshirt. Choisissez vos jambes préférées. J'étais en game. The Bad Light. En fait, j'ai jamais vu de différence avec les jambes, à part une plus grosse, une plus fine. Tout simplement. T'as esquivé 2 minutes d'ASMR avec beaucoup de chance. Kouros est arrivé en plein dedans. L'acceptez-vous?
Non. Bien évidemment que je m'accepte. Excellent. J'ai juste envie de dire truly excellent. Celle de grenouille. Choisissez vos viandes préférées. Elles sont où celles de mes tatanes? Non, j'accepte pas l'ASMR. Maintenant, on va modeler notre esprit. Ma nourriture favorite. Pas sucré. Votre groupe sanguin favori. Alors moi, j'ai une préférence absolue pour le D. Genre le D, c'est magnifique. Douloureuse. Ma couleur préférée. Je sais absolument pas. Bleu. Le bleu, c'est la vie. Offrez-lui un don. Moi, je voudrais lui offrir la voix. Comme moi, je veux que ce personnage parle beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah. J'oublie que les touches sont pas pareilles. Que ressentez-vous envers votre création? Elle n'entendra pas. Quoi? Avant, on m'entendait? Oups. De l'amour. Avez-vous répondu honnêtement? Non. Rouge comme les flammes! Je pense que ton pseudo laisse paraître que t'aimes le rouge quand même un peu. Violet comme les bleus que laisse ma canne. Génial. Nice. Je me rends compte que je fais des mimiques et qu'on me voit cette fois-ci faire mes mimiques. Oups. Reconnaissez les possibilités de douleur et de perte. Bah oui. J'ai pas envie de voir quelle tête je fais en ce moment en fait. Nommez votre avatar. On va l'appeler Mimi. Parce que Mimi, bah, c'est moi. Et puis c'est facile à écrire. Nous l'avons nommée Mimi. Exactement. Et qu'en est-il du créateur? Mamie! Ok. Je me fais pas respecter. Mamie! Ah, oh, Loulouche, je te hais. Excellent. Truly excellent. Mamie! Loulouche, merci d'avoir pris votre temps. Parer l'explosif, des rouges de saute, ça me plaît. Et c'est truly, non, truly, pas truly, vont maintenant être écartés. Ah, il me semble que c'était pas écarté. Il y a un truc qui m'a perturbé là. Personne ne choisit qui il est dans ce monde. Votre nom est. Alors les doublages, ce n'est pas ma spécialité, mais vous inquiétez pas que je vais m'en donner à cœur joie. Chris, je vais d'abord m'éclaircir la voix. Chris, si tu ne te réveilles pas, on va être en retard à l'école. De toute façon, ça sert à rien. Sauf, voilà. Folivert, une voix toute douce à Toriel. Exactement. Je t'attends dehors. D'accord? Je sais qu'on voit ma tête, donc j'essaie de faire attention à mes mimiques. C'est un tiroir à vêtements. Le tiroir est en partie vide. À part pour. Je vais manger à plus. Bon app! Un carnet de coupons. Chaque coupon est pour une pizza large à moitié prix. La voix de Suzy gueule à faire à la Paimon. Toriel doit être énervé à chaque fois. Tous les coupons étaient expirés avant la pression des carnets. Utilité sur 20, hein? Je me rends compte que j'ai des trucs. Ouais, non, je me rends compte à quel point ça doit rendre bizarre. Et Suzy, une voix douce. Ouais, grosse. Va manger. Vous le dites si mon éclairage est bon. RLC, voix cassée. Me dis, t'occuper de tout détruire. C'est un PC. Et ça, c'est. Ah oui, c'est vrai, c'est pas assez Ender. Un chariot rouge contenant une cage à oiseaux rouillés. Ralsei fumeur depuis 1894. Quoi, je fais vraiment une voix rauque à Ralsei? Vraiment ça? Vraiment, vraiment? Vous me faites peur? Il semble avoir subi quelques accidents. Non! Bah t'as détruit des guettis, donc je défonce les tiens. Oui, vraiment, oui. Eh ben vous savez quoi? J'ai une option maintenant qui est
faire un sondage. Nono, amuse-toi à créer le sondage. Créer un sondage, on peut faire quoi d'autre? Et les prédictions. Fais un sondage, Nono. Vas-y, je te laisse. Je te laisse. Je te laisse créer ce sondage. Et là, je vais avoir Nono dans les... Dans le chat. Comment on fait un sondage? Allez, Nono, fais-nous un sondage. Le temps qu'on voit Ralsei, on a le temps de le faire. Ah oui, c'est vrai. Ce n'est que vous. La porte est verrouillée. Pourquoi tu me demandes toujours la seule truc où il n'y a pas l'option sur la barre à côté? Je vais le faire. Créer un sondage. Créer un sondage. Alors, est-ce qu'on fait une voix rauque? Casser à Ralsei. Oui. Non. Ouais, non, j'autorise pas les votes supplémentaires. Je laisse une minute. Commencer le sondage. Normalement, le sondage va être lancé. Allez. On peut répondre au sondage maintenant. Oh, je peux voir. On a oui, non. Et du coup, t'as fait comment? Mais moi, j'ai le gestionnaire de stream juste à côté, en fait. Donc, on me voit et on voit pas mon petit PC. Donc, j'ai mon petit PC à côté duquel j'ai mon gestionnaire de stream. Sur téléphone, comment j'avais fait? Je pense que ça doit être dans la roulette paramètres, en fait. Tout est dans la roulette paramètres. On est deux contre un. Ah non, on a deux non et deux oui. Oh là là, ça devient serré. Les toilettes, tirez la chasse. Oui. Est-ce que le son est assez fort au moins? J'ai un peu peur. Oui, oui, non. Ah. Ah. Alors là, on a un problème. Alors, vous savez quoi? Étant donné que c'est ex aequo, puisque non Kouros, le oui n'a pas gagné, étant donné que c'est ex aequo, ben on va le faire à celui qui mettra le plus de thunes dans le plutôt de thunes, de petits soleils dans sa proposition. Allez, je mets 15 petits soleils pour ajouter des votes. Donc, Warhawk, cassé à Ralsei. On va voir qui veut vraiment avoir la Warhawk. Hop là. Non, je veux pas les bits. Hop là. C'est bon. J'ai tiré la chasse d'eau. Est-ce qu'on entend bien le son du jeu, genre, on entend la fameuse petite musique quand je tire la chasse? Mes petits soleils, je les garde pour te faire galérer. T'es pas bien, toi. Ah, faut savoir, tu veux la voir ou tu la veux pas? Ah! Je pense qu'on entend bien. Oh là là! Oh là 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 là, ça fait peine monter! Pour le moment, oh là là, ça revient à équité, là! Faudra vous décider, hein! Oh là là! Le non prend le dessus! Le oui rattrape! Je peux pas voter! Les modos peuvent pas voter? Ouais, non, attends, c'est quoi? Ah oui, il me semblait qu'il y avait une affaire de modos qui peuvent pas voter. Ou alors, ils peuvent pas gérer le sondage. Si, ah bah voilà. Je m'amuse à tirer la chasse, moi. Ah. Chris, est-ce que tout va bien? Bon, bah c'est le non qui a gagné. Et Loulouche a contribué avec 105 points de chaîne. Waouh! Eh bah Loulouche, t'étais motivée à voir... C'est quoi ta réponse? Loulouche a contribué avec 120 points de chaîne. Et Loulouche, tu avais voté pour quoi, toi? Oui ou non? Je spam le bouton voter, ça change rien. Bon bah... J'ai pas compris le message. Sur le côté de la douche, se trouve du shampoing à la pomme. Et un bidon de 3 litres de shampoing pour animaux. Honteux, Kouros, pouvait pas jouer.
De gros, tu peux pas jouer. Quoi? Mais on va pas faire 40, 40, 40, 40 sondages différents. Faut que le parti adverse qui a gagné donne l'autorisation de refaire un sondage. Voilà, on va faire ça. J'ai grave tapé le oui. Ouais, j'ai dit, faut que le parti qui a dit non donne son accord pour avoir pour rejouer le plus à pas supporter. Il y a quelques poils blancs coincés dans la tuyauterie. Il y a de la pâte à gâteau à la cannelle collée sur la cuisinière. La cuisine est dégueulasse. Les emporte-pièces pour faire des monstres et des humains en pain d'épices. C'est un téléphone fixe, mais tu disposes déjà d'un téléphone portable. Tu dois vraiment y aller. Ciao. Allez, mange bien, Loulouche, Pouros. Et là, je me rappelle que j'ai fait signe. Et bon, en fait, oui, on voit, donc je fais signe devant la caméra cette fois-ci. Au revoir. Je refuse d'avoir dégagé des soleils pour rien. Non, non. Ça sera le non et ça restera non. Petit mouchage furtif. J'ai pas pu, Novia. J'allais mettre 150 points. Ah, ça va être la guerre maintenant. Ah oui. Je mange mes cheveux. Voilà pourquoi je ne laisse pas mes cheveux pendant. C'est la télé. Il semblerait qu'elle ne soit plus branchée. Dommage. Chris, te voilà enfin. On a encore une chance d'arriver à l'heure. Chris, c'est une belle journée aujourd'hui. N'est-ce pas? J'espère que ce sera toujours le cas quand Ezriel viendra nous voir la semaine prochaine. Mais je me demande, après toute la pression de l'université, sera-t-il toujours heureux de rentrer dans ce petit village? Bonjour! J'adore toujours regarder la cinématique. Au moins un petit câlin, c'est trop mignon. Et on court en classe. Pendant ce temps, Novi cherche toujours comment on crée un dangereux de sondage. Allez, cherche le tu vas ça va y arriver. Alors, est-ce que tout le monde a un... Oh, Chris, je vais aller me faire à manger. Bon appétit! On ne pensait pas que tu viendrais aujourd'hui. Normalement, j'aurais... Allez, à tantôt. Mange bien! Ce mois-ci, on fait des travaux de groupe. Eh bien, essaye de trouver un partenaire, ok? Bonsoir, Kimbo! Faut pas que je me trompe de bouton. T'as rien loupé. Coucou, perso à ton chapitre 2. Pareil, j'ai hâte de voir le chapitre 2. Bon, par contre, cette fois-ci, comment dire, il arrivera quand il arrivera. Genre, je serai très contente, mais je ne l'attends plus. Mais je serai très contente quand il arrivera. Désolée, t'aimes déjà avoir partenaire. C'est un œuf dur, noir et blanc. Malheureusement, il semblerait qu'il ait déjà un partenaire. Yo, Chris, sois plus matinal la prochaine fois. J'ai dû me mettre en duo avec Snowy, haha. Il n'arrête pas de se tourner vers moi et de me dire Ayo, partenaire! Comme un cowboy. Bien sûr qu'il vaut mieux qu'il prenne 3 ans pour être bien qu'un an et qu'il ne soit pas très bien. Exactement. Hâte que les gens comprennent que Deltarune domine leur prototype chéri. Ouais, exactement. Partenaire, tu ne manques pas d'air. Ah, t'en penses quoi? Cool, hein? Non. Bon, j'ai des nouvelles pour toi, poteau. J'ai déjà un copain, coéquipier, dans ta face. Ah, Chris, je vois que tu es en retard. T'as besoin d'un partenaire? Désolée, je suis déjà en duo avec l'autre seul élève intelligent ici. Waouh. D'ailleurs, attends, Chris, maintenant que j'y pense,
Tes capacités uniques pourraient nous être très utiles. Bien sûr que non! Figure-toi que je tiens à voir un vin! Chris, tu sais que Jack et Stone et Cathy sont toujours ensemble. On est le duo académique ultime depuis notre premier cours de gym. Il fallait faire du cerceau, sauf qu'il n'y en avait plus pour nous. Et elle m'a utilisé comme cerceau depuis, on est inséparables. C'est original d'utiliser un de ses potes comme cerceau. Nono, tu vas être mon cerceau la prochaine fois. Je vais avoir un énorme non. Je vais le voir venir. Clic, clic, clap. Tap, tap. Déjà prise. Qu'est-ce que... Hé, hey, Chris, ça va? T'as encore perdu ton crayon? Voilà. Tu veux s'il est en forme de sucre d'arche, le lumineux? Oh, tu veux qu'on soit en groupe? Désolée. Berdley m'a déjà demandé. Mais je pourrais voir avec Mademoiselle Alphys pour nous mettre à trois. Je peux demander si tu veux. Oui, vas-y. Ok, c'est comme si c'était fait. Mademoiselle Alphys, est-ce que ce serait possible d'être trois? Oui, quoi? Non? Je n'approuve pas. Objection. Quoi? Mais Chris n'a pas de... Noël, qu'est-ce que tu disais? Elle disait juste qu'on était très bien tout seul. En fait, je voulais juste savoir si... Noël, pourrais-tu s'il te plaît parler plus fort? Bonjour, Suzy. Point, point, point. Je suis en retard. Je vais prendre ma voix la plus grave possible. Oh, non, pas du tout. On était juste en train de former des groupes pour le prochain devoir en classe. Et, Suzy, tu es avec Chris. Point, point, point. Point, point, point. Cool. Maintenant que tout le monde est là, je vais expliquer ce devoir. Est-ce que quelqu'un a vu la clé? La clé. C'est la troisième fois qu'elle disparaît et... Vous savez... Tout ce que je ne peux pas commencer le cours sans ça. Vous savez quoi? Si personne se dénonce, tout le monde sera puni. Attention. La badge humaine. Et quelqu'un? S'il vous plaît. Et il devrait y en avoir dans le placard de fourniture. Mademoiselle Alphys, et si Suzy et moi? Bonne idée, Noël. Suzy, puisque tu es arrivée en dernière, pourquoi n'irais-tu pas en chercher pour moi? Point, point, point. Pourquoi t'en as marre, Nono? Dis-moi tout. Peu importe. Chris, pourrais-tu la suivre pour vérifier qu'elle le fasse vraiment et ne s'attire pas d'ennui? Merci, Chris. À plus tard. Tu ne trouves pas? Alors, je clique sur tout le bordel et nulle part où ça me propose de créer un sondage. Je vais tout casser. Bah écoute, normalement j'avais prévu comme quoi tu pouvais chipoter au sondage. Maintenant, si tu n'y arrives pas, on regardera ça après le live. Du moment que t'as les prédictions, ça ira. Genre, est-ce que Mimi arrivera à battre je ne sais pas qui en moins de 5 fois. Voilà, tu vois un petit peu le genre. Ah, j'ai mis ma pince devant la caméra. Tellement pas l'habitude de stream que j'oublie que là il ne peut rien y avoir, sinon on me voit pas. On dirait que j'ai des grandes mains comme ça, des mains plus grandes que ma tête. Oui, les 110 pour ça, ils sont simples, c'est juste sur la barre à gauche. Déjà, j'ai pas de barre à gauche ni à droite, donc. Ok.
Ah oui, mais il faudrait déjà que je revienne au bon endroit. Chris, je ne t'avais pas vu. Et tu n'as rien vu là, d'accord? Tu ne peux même pas dire quoi que ce soit. Chris. Hey. Laisse-moi te dire un secret. Oui, ça fait mal. Les gens trop calmes m'énervent. Tu penses que juste parce que tu ne dis rien, je ne peux pas dire exactement ce que tu penses. Il parle si lentement dans ces moments-là, exactement. C'est fini. J'ai vu Suzy manger toute la craie. C'était sa dernière chance. Maintenant, elle va enfin être exclue. Allons, Chris. Ne sois pas choqué. Tu sais que c'est vrai. Tout le monde n'attend que ça. Ils le veulent tous. Donc, bravo, Chris. Tu m'as eu. Je suis fichu. Point, point, point. Juste, laisse-moi te dire une dernière chose. Ce serait du gâchis d'être exclu juste pour avoir pris un goûter. Elle veut le manger. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Donc, Chris, si je sais que tu vas me balancer. Pourquoi ne pas se faire exclure pour un véritable carnage? Notez qu'une partie est meilleure que le reste. Chris, est-ce que cela te dérangerait de perdre ton visage? Non. Chris, tu as une bonne mère. Ce serait une honte de la faire enterrer son propre enfant. Enfin, finissons-en. Trouvons cette craie, revenons vite en classe. Et ensuite, Chris, tu vas faire notre projet. T'en penses quoi? J'ai rien pu faire. Ne t'embête même pas. Si tu n'as toujours pas compris, ton opinion n'a aucune importance. Ouch. Allons-y, minable. On va y aller. Le casier est fermé. Êtes-vous prêt pour le bal de Sadie Holmgren? À ce bal, tous les chaperons doivent porter des masques faucons géants. Écrit sur tous les élèves qui rentrent en contact. Sur le mien, il pourrait se casser les dents. Oh, louche. Mon Dieu, c'est possible de marcher plus lentement? Non, je comprends. Pas habitué sans qu'on te... à marcher sans qu'on te tienne par la main? Dépêche-toi, minable. Normalement, ils disent fric en anglais. F-R-E-A-K. Tiens, voilà le placard. Dommage. On commençait à s'amuser. C'est possible de marcher plus lentement. Bah, je sais pas, Suzy. Et pour toi, c'est possible de parler plus lentement? Hey Chris, c'est moi ou...
Il fait vraiment noir là-dedans. C'est quoi le problème, Chris? Tu viens pas? Envie. Très bien, si tu veux être une flippette, eh bien je... On va y aller tous les deux en même temps. Et pour montrer la tatouination. Tu vois, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il n'y a rien ici, à part de la vieille paperasse. Essayons de trouver un interrupteur. C'est bizarre. Je ne le trouve pas. Je suppose que ça doit être plus loin. Au revoir. On s'en va. Chris, si tu me laisses ici, je vais. Je crois qu'il y a aussi un moyen d'accélérer la vitesse d'écriture. Oui, on peut afficher tout le dialogue d'un coup, mais bon, ça perd un peu comme ça, quoi. Plutôt grand comme placard, non? On aurait dû atteindre le fond, normalement. Ouais, je peux afficher comme ça, tu vois directement. Mais ça perd un peu de sa saveur, je trouve. Genre dans un speedrun, t'appuies, et ça serait... Ça perd en bruitage, voilà. Et mes bruitages sont d'exception. Voilà. Hey Chris, je crois que ce placard est bizarre. Je joue sans son perso. Ah, non, moi je... Il me faut tout. Il n'y a pas de mur. Eh bien, on a assez travaillé comme ça. Si Alphys veut de la craie, qu'elle aille la chercher elle-même. On se casse. Hey, c'est pas drôle. Laissez-nous sortir. Laissez-nous. Le sol, il... Et le pays, le... Au revoir. Yep, ça part au Pays des Merveilles. Je pensais pas que l'entrée du Pays des Merveilles était un couloir sombre avec des papiers sur le sol. On n'a pas dû voir le même Alice. Hein. Oh. Il y a beaucoup de moyens d'aller dans le pays. Écoute, ça peut être un terrier, un miroir. Alors au coup, on en est. J'avance tout doucement. Par moments, vous la voyez clignoter. La lumière que vous seul pouvez voir. Bonsoir, Mermoud. Il me semble que ça fait un moment. À moins que... Oui, il me semble que ça fait un moment que t'es pas passé. Alors c'est là que je me trompe totalement et que je me trompe de personne. Et là, j'ai pas l'air un peu débile. Ouais, non, j'avais raison. Ouais, non, ça fait un moment que t'es pas passé. Mais puisqu'il me semblait que je t'avais déjà vu. Instinctivement, vous vous en rapprochez et... Sauvegardez. Alors mamie, c'est Loulouche. Hein. C'est pas moi. C'est de sa faute. On a déjà 36 minutes de jeu. C'est énorme. Oui, sorry, les examens. T'inquiète, je comprends complètement. J'ai eu mes examens qui ont duré plus d'un mois et demi. Je te comprends complètement. J'espère qu'ils se sont bien passés et que t'as pas une deuxième session beaucoup trop gronde. Non, mamie, c'est la streameuse. T'étais pas partie manger, toi? Non, c'est Loulouche. Enchantée. T'étais pas partie manger?
Mais non, mais j'espère que tes examens se sont vraiment bien passés. Il fait trop sombre pour voir quoi que ce soit. Ah. Vous l'avez vu, vous aussi, hein? Non, c'était Kouros. Non. Non, non. Ah mince, je peux plus remonter. Dommage. Un cul-de-sac. Quelque chose brille à l'intérieur. Le prendre? Vous avez obtenu des fragments lumineux. Un éclat scintillant, ses effets demeurent inconnus. Il fait trop sombre pour voir quoi que ce soit. Il y aurait une personne triste. Oh oh. Oh mince, une attaque. J'ai trouvé le bouton courir. Vous plongez votre corps dans la lumière. Un sentiment de puissance brille à l'intérieur de vous. Perçant à travers les ténèbres. La douleur que vous ressentiez auparavant disparut. PV entièrement restauré. Énigme des yeux. En ce lieu, seuls les yeux aveuglés par les ténèbres trouvent la voie. Donc les trois yeux sont allumés et on ne peut pas passer. Merci pour le prime, Mermoud, c'est trop gentil. Ouais, il est bien mon wow quand même. Merci beaucoup. Tout ça avec la petite annonce Fairy Tail, c'est pas génial. Si c'est pas génial. Un prime sauvage, oh de l'argent. Loulouche, un peu de décence s'il te plaît. Un prime sauvage, merci beaucoup. Ouais, j'ai un grand sourire maintenant. De rien, de rien. C'est très gentil. Toi aussi, t'as le petit teint à côté de toi. Tu es officiellement le deuxième sub de la chaîne. Bienvenue. Tu vas rejoindre très cher Oceano. Puis avec l'argent. Nono, n'hésite pas à passer notre très cher ami en sub sur Discord. La nana va faire, dis, c'est qui sur Discord? Je le parie. Hé, hey, recule! Je fais un pas de plus, je vais... Chris? Ouf. Cool. Oui, tu vas voir un petit rôle. Et tu pourras me demander... Il y a eu la course, comme tu le savais, avec... Avec les follow, et c'est maintenant c'est une minute d'ASMR par follow, puisque bon, la course, je cours beaucoup trop. Et les subs, ils ont droit à m'offrir 3 gages, et j'en choisis un des 3. En effet, si ce n'est pas le même pseudo, je ne peux pas deviner qui c'est. T'as une mauvaise mémoire, Nono. Donc je disais, tu peux me donner 3 gages, on en parle, j'en choisis un. Ce qui nous arrange tous les deux. Et voilà. Et on dira ce qu'il en est retourné. Tu t'en rends compte que maintenant, il me semble, si j'ai très très bonne mémoire, et je sais que j'ai très bonne mémoire, que Mermoud s'effile sur Discord. Alors si c'est le cas, il va dire oui, si c'est pas le cas, je vais me faire tuer. Au choix. Mais il me semble que moi j'ai bonne mémoire. Ou pas. Mais il me semble que je me trompe pas. Mais il me semble que je me trompe pas du tout. Il me semble que j'ai vu juste. C'est pour ça que je me rappelais. À moins que tu veuilles te prendre une tarte dans la face, hein. En tout cas, assez parlé pour le moment. On
on doit trouver un moyen de sortir d'ici. D'ailleurs, on est où là? Bonsoir, Janou Panda. Wow, tu as une caméra. Eh oui, Vastingo, ça s'appelle. Mon téléphone. Je trouve pas moyen de rallier mon téléphone. Là, je vais devoir y aller, mais je reviendrai pour les gages. Ou sur Discord. Et oui, c'est Phil sur Discord. Eh ben, t'as vu, ma mémoire, elle est géniale. Eh ben, reviens pour les gages. Et merci d'être passé. Merci pour le sub, c'est super sympa. Bonsoir, l'éternel. Une caméra. Bonsoir, Janou. Oui, une caméra. Ça fait longtemps que vous êtes passé, vous. Voilà, merci d'être passé encore, merci pour le sub, et voilà, pour les autres qui arrivent, ben, vous n'avez pas loupé grand-chose, on est au début du premier chapitre de Deltarune, du premier chapitre sur un sorti, et oui, il y a ma caméra pour regarder le grimace que je fais un jour. Je parle beaucoup avec les mains, c'est une manie, désolée. Aucune importance, tu nous as amenés ici, tu trouves la sortie. Montre le chemin, Chris. Je sais pas si j'ai dit bonjour. Bonjour l'éternel. Je ne sais pas si je t'ai dit bonjour. Voilà, j'ai une bonne mémoire pour savoir qui est Mermouth, mais je n'ai pas une bonne mémoire pour savoir si j'ai dit bonjour. Oh mon dieu, laisse tomber, tu es trop lent. Ok, merci pour le pseudo. Maintenant, autre question. Est-ce que tu es sur le Discord? Je ne vois aucun fil. Et même en essayant de mentionner Discord, je ne trouve personne avec ce pseudo. Alors, ma très chère Nono, oui, sur le Discord. Et sur le Discord, c'est... je t'avoue que là, c'est marrant. Je ne retrouve pas Phil non plus. Et pourtant, je sais qu'il était sur le Discord. Caché. Lucas, non, Rusty, Sinka, Sinka, Pat. Non, je ne le retrouve pas non plus. Alors là, c'est extrêmement bizarre vu qu'il n'a pas quitté le... À moins qu'il n'a plus Discord. Alors ça, c'est une... Ça, c'est une chose assez particulière, vu que je ne vois pas dans les gens qui sont partis. En tout cas, Mystic... Ah, Mystic Cess. Ah, mais Mystic... Mais... Je pense que Mystic, en fait, c'est Mystic du serveur Fairy Tail et j'ai pas fait attention. C'est Mystic du serveur Fairy Tail et j'ai pas fait attention. Attends, je remonte. Je remonte. Mais en fait, il y a un problème ou quoi? Je ne retrouve pas même qu'il est rentré. Populaire Luna, non. Mais c'est quoi cette affaire? Je ne le retrouve pas non plus. Mais genre, c'est comme s'il n'a jamais existé. Je vais le contacter via Insta tantôt. Il faut Insta. Je suis paumée. Jamais vu de fil. Mais si, il y a eu un fil. Mais, ah, pour une fois, c'est pas moi qui ai fait une bêtise. Mais non. Mais, c'est pas... Mais si, je me rappelle. Mais, attends, je bug totalement là, puisque je sais qu'il était là. Genre, il est pas apparu comme ça, je le sais. Ah, écoute, tu sais quoi, on va aller... je vais voir si je sais me connecter à mon compte Instagram sur mon PC. Ce qui n'est pas prouvé. C'est pas celui-là. Oh là là. Retrouver mon compte, le mot de passe, mon compte Insta va être une partie de plaisir. Je pense que c'est... Du premier coup. Je vais te prouver que
Et très cher Phil est là. Phil. Oui, je n'ai pas mytho, je sais qu'il est vrai là, là. Je pensais que t'avais vraiment les cheveux bleus, moi. Mais ça, c'est une perruque, en fait. Et ouais, j'ai les cheveux bleus en dessous. On a un problème. Tu as complètement disparu de Discord. Voilà, j'ai contacté Phil. Mais personne dit que tu es un mytho, juste qu'il a disparu. Mais oui, mais il a même disparu de mes MP. Genre, je ne le retrouve pas du tout. Ah mince, si, deleted user. Ah non, non, c'est pas ça. C'est pas encore ça. En fait, il y a plein de deleted user, donc je ne sais pas en fait. Deleted user. Ben en fait, on n'est pas plus avancé. Il faut retrouver le soldat Phil. Il a été effacé. Ben en fait, c'est ça qui m'ennuie. C'est que je sais qu'il est rentré. Et il est rentré deux fois. Puisqu'il est rentré, puis il est sorti. Et on lui a envoyé un message pour dire, écoute, il y a eu un problème. Donc il est re-rentré. Donc c'est un pseudo qui doit apparaître deux fois. Faut attendre qu'il revienne. Au pire, quand il est dans Let's Play, on verra bien. Essaye de trouver un pseudo qui revient deux fois dans... Qui revient deux fois dans le... J'ai perdu le fil. Bien, pas mal, Janou. Écoute, Nono, regarde un pseudo qui revient deux fois. Par contre, moi, je laisse ma page Insta ouverte. Regardez s'il le voit. Oh mon Dieu, laisse tomber, tu es trop lent. Voilà, ça c'est moi. En fait, tout le monde est parti parce que je suis trop lent à lancer le let's play. Hey Chris, il y a quelqu'un qui nous fait signe. Bah déjà, bien le bonjour, il n'apparaît pas du tout. Merci pour le sub Pierre 1. Ouah, c'est trop gentil. Tu m'y attendais pas. Merci pour le sub. En plus, t'es sur le Discord, merveilleux. Ouais. Un qui boit récupérer à boire. Ouais, ok, je me réjouis et je dois boire. Ok, j'ai compris. Je termine ma bouteille, ça te va? Mimi a dû halluciner l'existence de ce fil. Non! Bon, voilà, j'ai... je vais aller chercher ma deuxième bouteille d'eau. Je vais aller chercher ma bouteille d'eau. Et je vais envoyer un message à ma maman pour dire qu'il faut monter une bouteille d'eau. Maman. Voilà. L'intérêt de mon commentaire ne tient qu'à un fil. Et pour Akimbo, c'est fait. Ah ben voilà, Akimbo, ben t'es passé en mode sub sur Discord. Et ah ouais, ben en fait, t'as certainement entendu, ben les... Et je le répète une deuxième fois, les subs ont le droit de me donner 3 gages. Et sur les 3 gages, on en discute et on en choisit un. Je choisis un des gages que j'exécute. Voilà, ça peut être un... Même si je suis pas bavard. Même si je suis pas bavard, il nous régale. En tout cas, merci. Même si je suis pas bavard. Ouais, non. Filé. Je crois que Phil a filé. Oh ! Oh là là, loulouche ! Oh là là, loulouche ! Franchement ! Je donne mon gage à une personne si quelqu'un le veut.
Non, 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 ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Si c'est Loulouche qui le reprend, il va me trucider. J'ai pas d'idée. Ah, j'ai pas d'idée. Ah mince. Vous filez le mauvais coton, dis donc. C'est une conversation sans fil. C'est une filature. Oh lolo, mais s'il vous plaît. Combo bloc, plus vieille expression. Mais vous me faites un combo tout court, là, en fait. Vous me mettez à terre, là. Mais pas dans le bon sens. Et avec ça, on a une personne disparue. Hein. On a une personne disparue. On a une personne disparue. Philémon. Moi, Janou se porte volontaire pour ton gage. Comme quoi. Tout le monde veut se porter volontaire dans ces moments-là, hein, quand même. Hé, hey Chris, il y a quelqu'un qui nous fait signe. Cadeau alors. Bon ben, Janou, on se voit en MP pour... ou sur le serveur. Ah ouais, ouais, non, mais je dois t'ouvrir le serveur. On se voit en MP dans un premier temps si tu as une idée de gage. 3 gages et j'en choisis un. Une idée de ce qu'il me... de ce qu'il veut. Aninami, je donne officiellement mon gage à Janou Panda. Allez, il a filé. Nono, alors celui-là, on va le screener. Je vais me l'envoyer sur le Discord. Comme ça, je sais que je dois ouvrir le salon. Plutôt que je dois... Ça, on sait officiellement ou par... Ou par ce très cher gage. Youpi, plus qu'à trouver une idée. Déjà fait. Ah là là. Ah oui, bah, en fait, c'est pas la bonne page. Je l'envoie juste ma tête. Allez, on retrouve. Une idée de ce qu'il veut. Au cours, Chris! Je passe entre les gouttes d'eau! Aïe! Aïe! Oh là là! Par ici. Un filament. Tiens, tu n'es pas mort. Tu as une idée de ce qu'est cet endroit? Moi non plus. Je me demande s'il y a quelqu'un dans ce bâtiment là-haut. On dirait une boutique, mais la porte est fermée. Il n'y a personne à l'intérieur. C'est fermé. Devant toi, un château se dresse sous le village inhabité. Un geyser noir s'en échappe, perçant sans fin à travers les cieux. La puissance de ce lieu brille à l'intérieur de vous. Un filament. Et là, j'ai pas compris Loulouche, mais ça a l'air pas cool. Je vais aller regarder un film. Bon film, Janou. Je sais pas si c'est ironique ou pas, mais dans le doute, bon film. Oh là là, pauvre Phil. Pauvre Phil. Un château? Pourquoi il y aurait un château à l'intérieur d'un placard? Bienvenue, héros. Au final, je fais pas la voix rauque. Chef. Qui est là? N'ayez crainte. Je ne suis pas votre ennemi. Avancez-vous. Je vous prie. Tous les deux. Accro Simfield. Oh là 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 là. Bienvenue. Je suis le prince de ce royaume. Le royaume des ténèbres. Chris. Suzy. Il existe une légende murmurée dans ce lieu. Une légende disant qu'un jour, deux héros de lumière viendront et accompliront une ancienne prophétie.
S'il vous plaît, héros, écoutez mon histoire. Très bien, dans ce cas... Et attention... Il était une fois, une légende murmurée dans l'ombre. C'était une légende d'espoir, c'était une légende de rêve, c'était une légende de lumière, c'était une légende d'ombre. C'est la légende de Deltarune. Jadis, lumière et ombre vivaient à l'unisson, apportant la paix que nous connaissons. Mais si un jour cette harmonie venait à être brisée, une terrible catastrophe serait à prévoir. Le ciel deviendrait noir de terreur. Et la terre se fissurerait de peur. Alors, de son cœur martelant, la terre rendrait son dernier souffle. Seulement, alors brillant avec espoir, trois héros apparaîtront aux extrémités du monde. Un humain, un monstre et un prince des ombres. Eux seuls pourront sceller la fontaine et bannir le paradis de l'ange. Seulement, après l'équilibre serait restauré et le monde préservé de la destruction. À présent, la fontaine des ombres, le geyser qui a façonné ces terres, se dresse fièrement au centre du pays. Mais récemment, une autre fontaine fut aperçue à l'horizon. Et à cause d'elle, l'équilibre entre lumière et ombre commença à décliner. Chris, Suzy, merci d'avoir écouté mon histoire. C'est la Team Rocket, les héros en fait. Mais d'où ? Oceano. Ah, il a débloqué ! Bonsoir Oceano ! Magnifique émote de Mimi. J'adore cette émote. Laissez la Terre périr en paix. Coucou, ça va ? Ça va très bien et toi ? Comment vas-tu ? Bonsoir, bonsoir. Et Phil est bel et bien vivant, il vient de me répondre. Et il s'appelle toujours Phil en fait. Il y a encore un problème avec le Discord. La Team Rocket est là pour préserver le monde de la dévastation. Voilà, j'ai que ça à dire. Je pense sincèrement que vous êtes les héros de la légende. Jesse James. Miaus. Et qu'en dépit des ennemis que vous croiserez en chemin, vous deux avez le courage de sauver le monde. Guerrier Delta, je vous prie d'accepter votre destinée. Non. Quoi? Moi, un héros, un truc comme ça. Vous trompez de personne. Mais Suzy, sans toi, le monde va. Et alors, et si le monde est détruit, j'en ai rien à carrer. Ça a même l'air plutôt amusant. Mais personne ne remet en question le pseudo qu'il a. Il pourrait s'appeler Jean-Kévin du 92. Ça ne changerait rien au fait qu'il ait porté disparu. Exactement. Écoute, tu sais quoi ? Je vais faire plus simple. Tiens. Cherche cette personne. Tu es où ? Tu es là. Hop là. Allez. Partons à la recherche du fil disparu. C'est les guerriers Delta. Non, j'ai pas la ref sur ce coup-là. En tout cas, Chris, si tu veux jouer avec ce cinglé, reste
Moi, je vais trouver un moyen de sortir d'ici. Suzy, attends! Ouais! Oh! Elle est ressemblée déjà! Et il ne savait même pas que j'étais là. Mon père va me nommer fils du mois. Mais t'es qui, toi? Je suis... le bad boy. Je suis le méchant. Alors, des clowns veulent sceller notre fontaine des ombres. Comment ça? Ouais! J'adore ce personnage. Et toujours en vous traitant de clown, sauvez le monde des ténèbres éternelles. Hey! Ne vous avisez pas de mentir. On sait tous les deux que vous vous enfuirez à l'ouest, à l'est. C'est votre seul moyen de rentrer chez vous. Mais moi, Lancer, ne vais pas vous laisser vous en tirer comme ça. Et j'ai un plan sans fin de 2 étapes pour m'en assurer. Étape 1, je vous éclate. Étape 2, vous perdez. Sympa comme plan, gamin. Attends, je re dans 2 minutes et tu veux que j'aille chercher dans ton Discord ou juste dans ton Discord. Tu tapes le pseudo et tu regardes qu'est-ce que ça donne. Il est juste petit et fragile, il s'appelle Lancer, comme le verbe. Ah! On a perdu la cam! Pourquoi on a perdu la cam? Je regarde, je mets ma grosse main devant. Ce n'est pas un souci de batterie. Donc voilà, on m'a perdu, mais je suis revenue. On en était où? Vraiment? Ouais. En fait, ça te dérange si on l'applique sur toi là-bas, à la place? Lancer se précipite dans la bataille. Oh, je vais complimenter Lancer. Vous dites à Lancer que vous n'arrivez pas à distinguer ses vêtements de son corps. Non pas Lancer, maintenant c'est Lancer. Il semble flatter la puissance de ses attaques diminue. La prochaine fois que je vais faire un compliment à quelqu'un, je vais lui faire « Hey, tu sais que je n'arrive pas à discerner la... mince, j'ai oublié. La transition entre ton t-shirt et tes bras. Oh, waouh. Essayez de draguer comme ça, ok? Lancez comme Ralsei sur la cour. Mince, mais avec tes bêtises, j'ai pas regardé. Je sais pas trop comment j'ai eu là une hache, mais genre, c'est cool. Je vais encore me flatter. Complimenter. Vous essayez à nouveau de complimenter Lancer, mais il doute de vous. La puissance des attaques remonte. Aïe. As-tu pas capté que je dissimule mon estime de... J'ai pas eu le temps de lire. Lancer est en train de rouler. Je peux le recomplimenter. Recomplimenter Lancer. Il devient confus vis-à-vis de votre sincérité. Au lieu de remonter ou de descendre, la puissance de ses attaques va de gauche à droite. Ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai un vieux patch et... les lignes sont coupées en plein milieu. J'ai pas fait l'update. Oups. Stop! Ma personnalité devient trop profonde! Lancer pense à des chips. Vous dites quelques mots gentils. Lancer les absorbe par les pores de sa peau. Oh, je suis le méchant! Mais... mon pas Twitch friendly! En fait, si, je sais pas, mais je veux pas le dire. Meuf, au secours, quoi, il y a 300 000 fils, c'est ça? Attendez une seconde! Ma moto n'a presque plus d'essence. Ah, très bien, adieu. La chance était de votre côté cette fois, mais... la prochaine fois, ce sera fou, les losers. Ciao, bande de losers. Filez bel et bien sur le Discord. Hein? Mais genre, il n'apparaît pas! Il a juste omis de nous préciser son pseudo sur le Discord, c'est Cornflex.
Je dois être à la maison avant le dîner. Vous avez gagné. Wow. C'est bon, cette histoire est réglée. Est-ce que ça va? Permettez-moi de me présenter plus décemment. Je suis... Bon sang, tu pourrais pas enlever cette capuche. Je t'entends à peine sous ce machin. D'accord. Enchantée. Je m'appelle Ralsei. Et moi j'ai un bonhomme de verre et puis il y a Loulouche. Une chèvre. Voilà. Chris, Suzy, c'est un honneur de vous rencontrer. Je suis certain que nous allons très... Oh, un ok. Très bien nous entendre. Et... Et c'est vers l'est pour sortir d'ici, hein, c'est ça? Oui, c'est là que nous a... compris. Une chèvre dans... Non. On se reverra à l'école, Chris. Bon, du coup, pour ceux qui sont là, si vous, je vous demande votre pseudo Discord, par pitié, donnez-moi le pseudo que vous avez sur le serveur de Mimi. Mais il s'appelait Phil, et je le savais, tout simplement. Je suppose que c'est juste nous deux, alors. Chris, je suis un prince, mais... Je n'ai en réalité aucun sujet. Je vous ai attendu tout seul ici toute ma vie. C'est triste. Donc je suis vraiment heureux de te rencontrer. J'espère qu'on deviendra de bons amis, Chris. Il s'appelait pas Phil, mais maintenant oui. Essayons de retrouver Suzy. Elle doit être quelque part au sud-est. C'est bon, tout est réglé. Je retente sur mon gestionnaire de stream. Le voilà. Tu peux montrer le chemin, Chris. Tu es pardonné parce qu'il a une PDPPO. Génial! Par contre, je vous avoue que je vais en vitesse aller aux toilettes parce que je dois trop aller aux toilettes. Donc, je vais y aller en vitesse. Bon, pour une fois, je ne vais pas laisser le jeu comme ça. Je vais mettre ma célèbre scène, pause pipi. Voilà, je reviens dans quelques minutes. Je me dépêche. Thank you.
Voilà, avec une nouvelle coiffure. Voilà, je ne peux pas rester 5 minutes sans bouger mes cheveux. Donc ici, j'ai mis une petite pince et j'ai fait un petit chignon en l'air. Et ça, ça va passer derrière. Voilà. Ça va être le style pour cette partie de live. Parce qu'il y aura certainement encore une pousse pipi, on se connaît. Hein. Je disais quoi? Je vais dire quelque chose en revenant, mais je ne sais plus quoi. Je sais plus qu'est-ce que je vais dire. Je vais dire quelque chose d'important, mais je ne sais plus. Non, je sais plus. Désolée, je ne sais plus. Ah, le trou de mémoire. Exactement, je vais dire quelque chose. Et je vais le dire en début de live, mais je ne sais plus. Genre, c'est quelque chose que je vais dire avant. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Ça concerne... Oui, voilà. Parmi ceux qui sont encore là, est-ce qu'il y en a un de vous qui s'est tapé une pub? Ou pas? Juste pour savoir. Parce que... Non. Pas de pub pour Nono, pas de pub pour Akimbo, je crois pas, pas de pub pour... Faudra me dire, puisque je ne sais pas, Non, aucune de mes deux fois, ok. Bah j'ai su désactiver les... ça m'a désactivé les pubs alors. Faudrait que je donne mes paramètres à Akimbo alors, je sais pas. Bah si vous avez pas de pub, bah, tant mieux. J'en ai eu 3 sur le live d'hier de notre très cher ami Akimbo. Et juste parce que ça, le live il crash que tu dois le reload, ça m'a mis 3 pubs et j'ai rien compris. Bah tant mieux si vous n'avez rien eu. Bah voilà, tant mieux. Bah voilà, tant mieux, c'est exactement ça, tant mieux. Vous n'avez pas été dérangé par ça et c'est une très bonne nouvelle. Elle est magnifique cette emote, j'adore cette emote. Bon. Sur ce, c'était la question, et après, bah, je retourne jouer. En appuyant sur le bon bouton. J'aurais dû sauvegarder avant d'aller aux toilettes. Alcée, le prince solitaire est maintenant votre allié. La puissance du garçon tout doux brille à l'intérieur de vous. Moi, je trouve qu'elle fait trop Mimi. Bah ouais, bah, c'est moi, Mimi. Mimi avec mes cheveux bleus. Pourquoi tu portes un masque à gaz, toi? Maintenant, c'est un respirateur sous l'eau. Oh, je sais pas, je vois pas, tout simplement. Tout le monde sait que je ne vois rien. 76 minutes de jeu. Une fusée? Faudrait que j'agrandisse le chat, je ne vois rien. Ah, mais peut-être que là, je le vais... Oh non, c'est trop petit. Mordu, vous mettez que des trucs que je vois rien. Chris, tu sais que tu peux appuyer sur X pour courir? J'appuie pas sur X. Je sais. Vraiment? Dans ce cas, pourquoi tu... c'est vrai. Qui sait combien de jours il reste pour les loisirs? Prendre son temps n'est pas un problème, Chris. Ce n'est pas mes propres emotes, mais celles d'un streamer que je suis et il me semble que c'est un respirateur. Ok. Moi j'aime bien les couronnes, surtout la bleue. Voilà. Et je pense qu'on n'a pas compris. Moi j'aime le bleu et j'aime Fairy Tail aussi. Voilà. C'était cadeau. Chaque live, je porte un nouveau t-shirt Fairy Tail. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est celui-là.
On verra quand j'aurai fait le tour de ma penderie. Vous comprenez? Vous comprendrez donc pourquoi elle aime Jubia. Jubia, c'est ma petite chérie. Il y a une couronne violette, Akimbo. Ah, tu es occupé d'attirer les gens, là. Oh, Chris, c'est un mannequin d'entraînement. C'est l'occasion idéale pour se préparer à affronter l'ennemi. J'attends que la personne... En fait, ce qu'il y a, c'est que je viens de recevoir un message et ça s'est marqué en grand sur mon téléphone, urgent. Donc je vais jeter un coup d'œil puisque je pense que je vais devoir refaire une mini-pause. C'est Mimi, écoute. Non, c'est Jubia. Jubia, c'est ma petite préférée. Mais je vais devoir faire une pause dans les prochaines minutes qui arrivent parce que... Je fais une petite pause en vitesse puisque ça c'est important. Je reviens tout de suite. C'est pas cette scène-là que je voulais. Voilà, c'était final pas si urgent que ça. Ouais, j'ai l'air de donner trop d'importance à des choses qui ne sont pas si importantes que ça. Bon, c'est du moins tout craché, quoi. C'est l'occasion idéale pour se préparer à affronter l'ennemi. Est-ce que tu aimerais que je t'apprenne comment faire? Oui, on va faire le tuto, parce que tout le monde ne sait pas comment faire. Ça arrive, et ouais. Ok, tiens-toi prêt, Chris. Tu vois le cœur? C'est ton âme, le point culminant de ton être. Elle porte en son sein ta volonté, ta compassion. Et le futur de ce monde. J'ai le cœur. Si elle est touchée par une attaque, toi et tes amis perdront des PV. Si nos PV atteignent tous 0, on perd le combat. Donc, fais bien attention aux attaques de l'ennemi. Tu es prêt? Évite les attaques. Bien joué, Chris. Tu as un vrai don pour ça. Bref, c'est notre tour après que l'ennemi a attaqué Chris. Premièrement, je vais te dire comment combattre. Bien que combattre soit inutile dans ce monde. Mais un apprentissage en détail ne te fera pas de mal. Les musiques sont incroyables en fait. Ça fait tellement longtemps. Les musiques sont juste incroyables. J'adore les musiques, que ce soit Deltarune, que ce soit Undertale. Les musiques, je les écoute et les écouter en boucle pendant tout un moment. Waouh, Chris, c'était une attaque incroyable! Tu es sûr que c'est de la première fois que tu fais ça? J'ai dû jouer beaucoup trop de fois! Ok, maintenant essayons de nous défendre. Va dans. Le bouclier. Comme ça, l'attaque de l'ennemi te fera moins mal. En plus de ça, tu recevras aussi des TP. Regarde la barre orange à gauche, je t'expliquerai après. Bah oui, c'est logique, si ton âme est touchée, c'est ton pote qui prend cher! Bien évidemment! Bien évidemment! Parce qu'évidemment, non. Bien évidemment! Défense! Bravo, Chris. Maintenant que tu as reçu ta TP, tu peux l'utiliser pour l'un de mes sorts. À force de frapper l'ennemi, il est devenu fatigué. Va dans briser le quatrième mur. Maintenant, si j'utilise mon sort de pacification, il s'endormira et nous gagnerons pacifiquement. HC lance pacification. Je vous laisse, moi. Bon live à tous et enjoy le sub. Merci pour le sub. C'est tout ça. Merci. Passe une bonne soirée. Merci d'être passé. Je passerai demain. Bah, si tu fais un live. Merci beaucoup. Merci.
Profite bien de ta soirée, repose-toi bien et reviens-nous en forme demain. Raël se lance, pacification. Bien joué, Chris. On va essayer de gagner ce combat. Il ne reste plus beaucoup de choses à t'apprendre maintenant. L'action. Avec ça, même les ennemis les plus violents peuvent être vaincus par une multitude d'actions de gentillesse. Ça marche, bisous. Des bisous. En soi, Chris s'est peut-être entraîné sans nous aussi. Chris, c'est un mannequin, mais pourquoi ne lui ferais-tu pas un câlin? Il y avait un easter egg, ouais, un easter egg, oui, vite dit, qui disait comme quoi tu... Ah, ben non, c'est ça que je veux faire. Voilà! Ne fais un câlin, elle sait, parce que je suis trop gentille. Mais je pense pas que c'est ce que tu es censé faire. Je crois que le dialogue est comme cette base. Pas parce que tu as d'autres parties. Trop chou. Mais... Place à l'action. Ça fait un câlin, mannequin. Trop chou, mais trop chou. Ce qu'il y a, c'est que je connais trop que bah, j'oublie dans l'ordre. J'oublie l'ordre. Ah, c'est super, Chris. Chaque ennemi a des actions qui le satisfait. Quand un ennemi est satisfait, son nom devient jaune. Quand c'est fait, tu peux l'épargner. Si nous épargnons tous les ennemis, nous n'aurons jamais à combattre. On peut le gratter. Câlin. Tous ces petits câlins. Bon travail, Chris. Ça serait la fin dans un vrai combat. Je suis vraiment heureux d'avoir eu la chance de t'enseigner, Chris. Vous avez gagné. Après, Toby troll un peu, vu qu'il sait que 80% des joueurs de Deltarune ont fait Undertale. Exactement. Oh, c'était très drôle. Tu es un superbe élève, Chris. Et si jamais tu as besoin de te rafraîchir la mémoire, je... voilà, j'ai créé un manuel pour toi, ici. Appuie sur C et pour ouvrir le menu et utiliser tes objets. J'utilise déjà passé. Vous obtenez le manuel. Alors moi, j'utilise CTRL droit pour le menu et j'utilise Maj droit pour courir. Mais pas moi. Et j'en suis ravie. Mon Dieu, la grande porte est ouverte. Pas étonnant que Lancer ait pu s'introduire ici. Chris, à partir du moment où nous franchirons cette porte, notre aventure commencera pour de bon. Une épopée telle que dit la prophétie. Mais Chris, je pense que tes choix sont importants. Eux aussi. Ce monde est rempli de gens tous très différents, Chris. Au final, c'est notre façon de les traiter qui fera la différence. Donc, faisons de notre mieux pour s'en sortir sans combattre. Et si on y arrive, je pense que cette histoire pourrait bien avoir une fin heureuse. Autrement, j'ai peur que tu ne puisses pas trouver un résultat satisfaisant. Oh, je suis désolée. Est-ce que je t'en demande trop? Tu peux le faire. Chris, j'ai su que tu avais l'âme d'un héros dès le moment où je t'ai vu. Faisons de notre mieux, d'accord? Go taper tout le monde! Non, on va pas taper les gens. Bonk, 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 voilà. La porte fermée derrière vous. Votre aventure peut véritablement commencer. J'ai le même en tête maintenant. Go sondage. Pourquoi un sondage? La puissance de l'aventure brille à travers toi. Allez, Ops and Dream. C'est pas Ops and Dream, c'est... Ops... The Fire of Ops and Dream. Pour savoir si tu tabasses les gens ou pas. Ennemi devant, vous allez mourir, signe Lancer.
Non, je vais pas les tabasser, je suis gentille. Fredine. Convaincre. Fredine s'est approché. Défendre. Je vous dis à Fredine de quitter le combat. Il a été totalement influencé. Ouais, je pense que ça a du sens. Aïe. Fredine n'a pas d'opinion fort dans un sens ou dans l'autre. Gentille, t'es sûr? Oui, je suis toute gentille. Je suis gentille. Et après, on va me dire que j'ai 14 ans. Mais qu'est-ce que... Vous avez gagné. Ouais, j'ai gagné. Si vous lisez ceci, je pense que vous êtes mort. Signé Lancer. Pas 4. Mais j'ai pas 4 ans. Regarde, j'ai moins la boule de bébé avec cette coiffure-là. Hey, ne lis pas ce panneau, il est en cours d'écriture. Signe Lancer. Voilà mes deux personnes favorites. Vous n'êtes même pas dans mon top 5. Lancer, où est Suzy? Tu veux dire la fille violette? Imbécile, vous êtes trop lent pour m'arrêter. Qu'as-tu fait? Ah, c'était si simple! Elle m'a battue et je me suis enfouie! Ah, c'est un peu décevant, effectivement. Ce type d'art ne contient pas d'objet qui peut te soigner! Quoi que tu fasses, n'agis pas sur l'arbre et n'utilise pas C pour ouvrir ton menu! T'as compris? Signalant. Il y a deux objets qui pendent dans l'arbre. En prendre un. Rejoins le camp de Suzy. Vers Loulouche. Il n'y a plus rien. Vous entendez bien la musique au moins. Tabassé, tabassé. Hey, si vous dirigez par là, mes troupes vont vous écraser. Je change les mots. C'est une menace. Mais je préfère le voir comme une invitation. Genre, je veux savoir si la musique est bonne pour vous. Comment je peux monter le son du jeu pour moi au moins? Parce que pour moi, je veux profiter de la musique à fond. Je vous le baisse pour vous, le temps que pour moi, je me le mets à fond. Ouais, ça va un peu plus fort là. Ouais, ça va tout aussi fort de ma voix. T'inquiète, si on t'entend plus, c'est pas grave. Une flopée de Rudine bloque le passage. Pas grave, me taper à force. T'inquiète. Je suis juste une personne normale. Et je gagne plus de thunes, effectivement. Bien sûr qu'on va te taper. Mamma Biba, je suis un chef étoilé. Mon dernier gâteau m'a épuisé. Donc j'ai fait une petite sieste, mamma mia, un bruit étrange m'a réveillée.
Une bête était avachie sur la table, mangeant tout mon gâteau comme un animal. Je l'ai aspergé d'eau et la bête a chémé, elle s'est échappée en courant. Mais mon merveilleux gâteau. Ah, Chris. La description ressemble à Suzy. On doit être sur le bon chemin. Il faudrait l'empêcher de causer plus de problèmes. Pam pam pala pam pam. Les restes du gâteau sont encore fumants. Prendre un morceau? Prendre. Le gâteau brisé a été rajouté à vos objets. Je vois que la musique est assez bonne. Parfait. Pudding et Happy bloquent le passage. Ouais, j'ai chaud à mes oreilles. Voici, mais quand t'as les cheveux bouclés, ce qui arrive, c'est que le casque te pique la moitié des cheveux. Qu'est-ce qu'il y a plus jeunette? Je ne fais pas mon ménage. Vous dites à ta fille que ses dents ressemblent à des couteaux. Il commence à réfléchir. Brille, brille! Merci, avec la musique, je suis comme ça. Ben moi aussi. Regardez l'horloge, pour résoudre cette énigme, il va falloir se dépêcher. Plus facile sur la Switch. Moi comme ça, oui, le Lush il aime pas. Nous avons 6 minutes de jeu. Et voici le labyrinthe de la mort. Préparez-vous à perdre votre chemin, les clowns. Certainement signé Lancer. Mais ça, il était pas noté. Alors perdu, vous devez sûrement être sans espoir avec tous ces tours et détours. Plus facile avec une manette. Oui! Votre sens de l'orientation ne vous sauvera pas cette fois, Seigneur Lancer. C'est un ennemi quelconque. Il semblerait qu'il ait reçu des coups. Waouh! Attends! Même si vous êtes mes ennemis, je dois vous prévenir. Une bête violette vagabonde frappera tout sur son chemin. On n'aime pas se battre. Le roi ne nous laisse pas le choix. Oh, Chris, on doit arrêter Suzy. Vite. Hey, attendez. Où suis-je? À l'aide. Signé Lancer. Vous ouvrez le coffre. À l'intérieur se trouve un ruban rose. Vous mettez le ruban rose en armure. Ce ruban est une armure, Chris. Il augmente ta défense. Pourquoi ne pas laisser via le menu d'équipement? Je pense qu'il t'irait bien.
Équipement, Chris, le vent rose. Ce labyrinthe me rappelle le chemin où il y a les champignons dans Undertale. Oh non, dans Undertale, il est beaucoup plus dur que ça. Hein. Genre, on a fini quoi. Hey, ne lisez pas ça, ce panneau est privé. Même signal answer. Oh, c'est juste à côté. Je me demande comment vous avez survécu à ce labyrinthe. Mais ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oh, voyons comment vous débrouillez face à ces gars-là. Pas de défi, bloque le passage. Hey, pourquoi êtes-vous encore vivant? Vous êtes en sous-nombre. Tu n'as que des ennemis de support dans ton équipe. Leurs attaques ne sont pas équilibrées. C'est comme un repas composé de 3 verres de lait. Et c'est moins bien, en quelque sorte. Pourquoi on n'en parle pas après le combat? Elfie chuchote un sort amoureusement. Et comme dirait Happy, c'est beau l'amour! Roulement d'air que j'arrive pas à faire. Mais c'est Effie qui est bien aimable et commence à réfléchir sur le sujet. Elle s'est permis à Effie. La sensation d'un doux baiser. Bon travail! Super! Combien j'en ai? Tu as perdu, Lancer. Tu n'auras rien. Oh! Je pourrais avoir un peu de ce que tu as gagné? Non. C'est bon, j'ai compris. À plus les clones! Salut! Je croyais que tu t'enfuyais. Ouais, j'ai fini! Cette voix, j'ai pépé. Elle est bien ma voix. C'est non. Quoi, ma voix et non? C'est un non, ma voix? Ça va être impossible à faire, ça. Ils sont où les pics? Je savais très bien qu'il y avait des pics. Ah, ouvre-toi, saleté de porte! Oh, génial, c'est vous. Suzy, on s'inquiétait beaucoup pour toi. Comment as-tu passé les pics juste avant? J'ai sauté par-dessus. Mais cette porte, elle craint. Oh, ne t'inquiète pas, Suzy. Ça se verra dès qu'on aura résolu cette énigme là-bas. Cool, prévenez-moi quand ça sera fait. Suzy... Ah non, ta voix est super, par contre, c'est juste pour ça. Suzy, on a besoin de toi pour le finir. Parfois, on va devoir agir ensemble. De plus, seulement Chris peut sceller la fontaine noire. Donc si tu ne viens pas avec nous, tu ne rentreras pas chez toi. Donc tu me dis que je dois rester avec vous? Ouais. Finissons-en et vite. Youpi! Suzy est de retour dans l'équipe! Appelez la fanfare! Ça que l'on appelle la cohésion d'équipe. Suzy est maintenant de la partie!
saisi aussi à une distance telle que personne ne peut dire qu'elle est avec vous. Bon, maintenant, je vais pleurer. Ah ben j'ai pas pleuré, j'avais un doute, non, c'est ta confirmation. On dirait que la porte est ouverte. Oh Chris, je viens de réaliser que Susie a raté le tutoriel. Au prochain combat, on devrait lui montrer le principe des actions. Je pense qu'elle va vraiment aimer ça. Ironie. Pas blesser accidentellement. Point, point, point. Le blessé, c'est le but, imbécile. Il nous a attaqué. Il doit donc mourir simplement. Mais Suzy, et si l'ennemi est gentil? Point, point, point. Ouais, bien sûr, il y a un mot pour ça. Oh, lequel? Frapper le premier. Raté. Ah, bande d'idiots, ils s'enfuient! Waouh, c'est pas passé loin, Chris. Peut-être que je devrais lui parler. Bah, si l'ennemi est gentil, il ne nous attaque pas. Pas d'explication! En soi, c'est nous qui lui avons foncé dedans, hein. Je me suis faufilée par ici et j'ai planté ce panneau! Un signal lancer. Suzy, j'imagine que tu as oublié ce que je t'ai dit un peu plus tôt. En tant que héros, nous avons le pouvoir de forger un futur paisible. Donc, à partir de maintenant, on doit éviter de combattre, ok? Et si on essayait d'être gentil avec eux? Si tu as affaibli un ennemi, je pourrais utiliser mon sort de pacification. Qui peut endormir les personnes fatiguées. Ouais, tes discours font la même chose. Bien, juste pense-y. Nous devons avertir les ennemis à propos d'elle, Chris. Suzy, la tourmente violette est maintenant votre allié. La puissance des filles méchantes brille à l'intérieur de vous. En ça, c'est toujours l'ennemi qui attaque en premier. Ouais, il t'agresse, c'est toi qui es le fautif, c'est ça. Oh lolo. Hey petit, tu veux acheter un tutoriel? C'est seulement 50 dacs de l'heure. Et je dis 50. Je viens de faire juste une promo. 20 dark dollars. Seul dark dollar, s'il te plaît, j'en ai besoin là. Non, tu as changé d'avis. Par ici, gentil ça. On est désolé. On est normalement des hommes puzzle, mais on est forcé de faire des tutoriels pour juste pour joindre les deux bouts. Je te le rachète 20 dollars, je suis pas sûre de le revendre après. Une fois le roi au pouvoir, il nous a tous virés, remplacés par Rolskard. Seigneur des casse-têtes, fais attention. Je suis le maître des TP, interroge-moi sur eux. Plus tard. Je suis le maître de Ralsei. Comme le bonhomme, c'est trop bizarre dit comme ça. Vive la traduction, tellement. Je suis le maître de Suzy. Ah là là.
Je suis le maître de Sisley. Il paraît que c'est Mimi qui a pu être partie. Ah putain! Ah bon, ça part dans ces délires-là. Écoute, je veux pas savoir. Je suis le maître de Chris. Aidez-moi! J'en peux plus! Ressuscité! C'est quoi cette affaire? Quand les PV sont en dessous de zéro, tes amis s'évanouissent. Mais pour les réanimer, pas besoin d'un Mac plus 6. Utiliser de la nourriture et des sorts fonctionnera avec efficacité. Un bug, quel esprit mes enfants! Avec une menthe, vous pouvez guérir les blessés. Même les objets classiques et les sorts peuvent ramener à la vie la personne, cas ou pas. Je l'ai déjà dit, pas besoin d'un perroquet. Objectif du puits. Un tuto mensuel par semaine. Arrête des tutos. On peut être débalancé. Ne pas lancer. Allez, on va lancer un de là. Allez, on se garde. Ouf. Il fait un peu peur, le monsieur. Mon nom est Sim. Mon nom c'est Shaw. Et ceci est ma petite boutique. Au fil des années, j'ai constitué ces bric-à-brac. Bien sûr, je ne m'attache à aucune de ces bricoles. C'est juste un passe-temps pour moi. Dans le coin, on apprend à tuer le temps. Ou on devient fou comme tous les autres. Lightners. Il y a bien longtemps, les Darkners vivaient en harmonie avec les Lightners. C'était des dieux pour nous. Le protecteur, le créateur, ceux qui nous donnèrent notre raison d'être. Mais un jour, nous fûmes tous laissés dans cette prison, et les Lightners ne revinrent jamais. Aigri, le roi prit les armes, et jura de se venger des Lightners qui nous abandonnèrent. Bien sûr, même au sein de ses troupes, quelques-uns espéraient toujours leur retour. Historiquement, ce pays était gouverné par 4 rois, depuis le château de Carte à l'est. Mais récemment, un étrange chevalier est apparu, et 3 des rois furent emprisonnés. Le dernier roi l'éleva lui, et son étrange fils au pouvoir. Ces terres n'ont pas vu tant de chaos depuis. Bref, tu n'as pas besoin de savoir cela. Alors vous êtes les héros qui vont sceller notre fontaine. Dans ce cas, bonne chance, mais peu importe. Ni la lumière, ni les ténèbres ne feront un futur à un Darkness tel que moi. À la prochaine. Ou pas. Bon, par contre, tantôt Akimbo m'a fait boire et je dois de nouveau retourner aux toilettes. Donc je vous mets ma mission et j'y cours. A tout de suite.
Qui c'est qui vient de se rendre compte que la boîte de chat est devenue blanche? C'est moi. J'en peux plus. Voilà, maintenant si vous écrivez, ça sera en noir. Et personne ne me l'avait dit. Et alors, on va retourner ici. Et là, attendez 2 secondes. Et là, ça veut dire que le chat est revenu en noir. Donc, on va faire ça. Copier. Mode chat masqué. Coller. Ah, maintenant, je peux juste mettre en référence. Bon, bah, créer une boîte de chat. Ajouter une source. Afficher tout. Couleur d'arrière-plan. Toujours afficher les messages. Paramètres visuels. Couleur du texte. Couleur du texte avec de la police. Et ça va être bon, je pense. Hein. C'est pas bon. Et on va essayer en blanc. Ah bon? Faut que j'augmente la taille de la police là. 32. Il faut que je rétrécisse en hauteur la boîte. Oh là là! Mon paramètre visuel a toujours affiché le message. Paramètre apposé ici. Transformer, modifier la transformation. Taille. Non, c'est bon, c'est comme ça. C'est bon. Voilà. C'est parfait. Bon, sur ce, on va reprendre. Tu as combien d'heures de live? Je suis à 2 heures de live. Oh là là. Il me semble que j'ai déjà fait cette réflexion. C'est là, c'est seulement un encadrement de porte, mais pour certaines raisons, vous ne pouvez pas la traverser. Non, vous ne pouvez pas voir à travers. Bien! Retournement de situation! Les clowns sont de retour dans la ville! Oh, mauvaise nouvelle! Depuis notre dernière rencontre, il y a un peu... j'ai créé une nouvelle équipe de chaque prêt, prête à vous affronter! Même la fille mauve ne peut plus me stopper maintenant! Es-tu prête à être... Arrête. Tais-toi. T'es quoi ça? Pourquoi tu fais ça? C'est mon rire maléfique? Effrayant, non? On dirait un bébé Père Noël. Tu veux dire comme... comme une personne qui déchire? Tais-toi. Tu penses réellement être effrayant avec ce rire? Je vois qu'on parle de moi, mais je comprends pas. Eh bien, je... Faux. Mec, les personnes comme toi m'énervent vraiment. Si ce monsieur a un rapport avec Pokémon, il ne m'a pas tant marqué. Je regardais pas. Comme d'habitude, je suis pas dans le pourcentage. Admets-le, tu ne sais pas comment être effrayant. Si je te soulevais et t'arrachais la tête, là, ce serait effrayant. C'est pas vrai. Oh, vraiment? Alors pourquoi ne te le prouverait-on pas? On commencerait avec la partie où t'as
tête se détache de ton corps. Ah d'accord, ça va alors. Oh, ok, j'ai compris. Merci Fimov. Quoi? Merci, c'était gentil de ta part de m'apprendre comment être effrayant. Avec un rire maléfique. Eh, j'étais pas en train de... Et maintenant, vous allez vous faire massacrer. Joyeux Noël. Je suppose que c'était une sorte d'amélioration. Une flopée de... bloque le passage. Je ne m'avancerai pas à lire le mot. Être ami. Levez à peine un doigt et... Si bien on doit être ami. Accroche-toi à Paris. Soyons amis. Il y a un problème avec les têtes de visage. À Paris, approche-toi à Paris. Regarde, Chris, une autre énigme. Oh non. Lisons les instructions. Les instructions ont été vandalisées. Ça dit, bande de fous, vous ne résoudrez jamais cette énigme. Ruiner les instructions, c'est vraiment pas du jeu. Ensuite, il me dit, PS, je fais mes propres règles. RK. Eh bien, ceci explique cela. Pourquoi ne pas juste grimper de cette clôture de pique? Parce qu'on risque de s'empaler sur et de mourir. Cool, je vais réfléchir à ça. Occupez-vous de l'énigme. Fais ton mieux, Chris. Ah, bah ça marche en fait. Bon travail, Chris. Je pense qu'on tient quelque chose. Hey, Chris, laisse tomber si t'en as marre. C'est bon. Waouh, tu l'as fait, Chris, bon travail. Mince, je me serais pas emballé. Oh bien, venez les boulets. Hein. Bon travail, Chris. De bas en haut, l'ordre de nos chambres dans le château de cartes. Évidemment, si vous n'êtes jamais allé, vous ne pouvez pas le connaître. Mimi, j'ai une annonce importante. Quoi, on voit plus ma tête? Tu vas aller manger? Tu vas me parler de burger? Après tant de temps d'attente, je t'ai enfin ajouté quand même des Switch. Ah OMG. Rudine, convaincre. Défense. Moi, je pense que ça a du sens. Vous t'ajoutez sur mon compte avec online aussi. Ouais, je dois prendre le online.
Je dois payer le prix. Tente vie au mec qui nous paye. Il est grand temps que je me prenne le online. Quand il sera en promo sur Instant Gaming. Si vous marchez sur la lumière, vous retournerez là où vous étiez auparavant. Non. Mince! Pomane, je sais plus ce qu'il faut, Pomane. Ça pique. Je vais décider. Ah, vous êtes parvenu au grand plateau, le point de mi-chemin de notre château. Impressionnant. Mais c'est dommage. Vous ne ferez pas un pas de plus, parce que mes gars vont vous réduire en sang. Un tas de sang giclant de partout, très sale et très gros. Hey, Pimov! Est-ce que c'était plus effrayant? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que tu es vraiment cool et quand tu es terrifiante! Je vais être aussi effrayant que toi! Tu veux être comme moi? Ouais! Bien, bah, c'est assez stupide en soi. Mais ce nouveau rire n'est pas si mauvais que ça. Et dire que tu vas nous réduire en sang, c'est bon coup. Qu'est-ce que tu fous avec ce seau, par contre? C'est pour mettre le sang dedans. Oh. Ouais. Je suis pas supposée mettre le bazar ici. Sinon, merci pour tes retours. Je me sens vraiment effrayant. Pas de problème, je suppose. tes gars vont nous attaquer maintenant ou... Oh, ouais. J'étais si excitée que j'ai oublié de ramener mes gars. J'ai tellement envie de faire des voix. Mais la prochaine fois, ça sera la fin pour. Et les gars, je vous ai surnommé les clones. Mais est-ce que votre équipe a un nom officiel ou un truc dans le genre? Oh, Chris, on devrait choisir un nom. Non, on devrait pas. C'est décidé, tout le monde met un nom dans le seau. Très bien, tout le monde a mis sa proposition. Personne en bleu, tu peux choisir. Bien que t'as l'air d'en avoir un peu rien à faire. On oublie l'armée, mais il pense au saut. Chacun l'ordre de ses priorités. Papier soigné, papier marqué Lancer, papier chiffonné. Vous prenez le papier avec Lancer décrit à l'extérieur. Vous l'ouvrez. À l'intérieur, il est aussi écrit Lancer. Waouh, qui a écrit celui-là? C'est vraiment chouette. Attends, pourquoi tu as écrit ce nom? Hey, c'est pas lui, c'est Chris qui l'a choisi. Ouais, c'est pas important de savoir qui a pu écrire ce nom. Indépendamment de ça, Lancer va rencontrer le destin absolu. Ce nom est plutôt bizarre en fait.
Je sais, appelons le fan club de Lancer, ça sonne mieux. On se voit plus tard, fan de moi. Waouh, waouh, waouh. Le pouvoir du fan club de Lancer brille en fou. Je me dis que c'est bien d'avoir le petit sauvegarde ici parce que je commence légèrement à fatiguer. Je pense que ça doit un peu se voir. Donc je pense qu'on va commencer à m'arrêter là pour aujourd'hui. Je verrai avec Loulouche si on fait du Sea of Thieves demain. Va donc te reposer. Et qu'est-ce que je disais? Ouais. Et donc on verra si on fait du Sea of Thieves. Maintenant, je ne sais pas. On verra. On verra tout simplement nos vies doubleuses. on verra si je live demain. Demain, c'est mercredi. Demain, c'est la dernière journée. Non. Demain, si je live, si je live pas, ça sera samedi soir, voire dimanche la prochaine fois. Comme ça, vous êtes un peu au courant. J'espère que ce facecam vous a plu. Parce que c'est un peu la première fois. Je vais re-sauvegarder parce que vous me connaissez. Il n'y a plus de musique en plus. J'ai coupé le jeu. Et je vais revenir à l'intermission. Voilà. Et je vais remettre un peu de musique. Voilà. J'ai remis l'OST. Loulouche, il aurait grave pu ça de ce soir. Mais on verra pour ça demain soir. On verra. Maintenant, ça reste à voir vis-à-vis de comment je me sens. Et aussi, c'est Nono, elle m'a un peu soufflé l'idée parce qu'elle peut, elle regardait ça. J'ai beaucoup de mal à étudier en ce moment, donc je suis un peu étudiée, pas étudiée. Donc voir si ça intéresserait d'avoir des lives où on me voit étudier. Et genre, on parle ensemble, on étudie ensemble, on regarde ça. Coucou Nono. Oh, un bot. Ah, on aurait pu si bien finir ce live. Ce live appelé Work Study With Me. Voilà, donc si ça vous tente, j'essaierai d'en faire un de ces quatre. On verra. Faut vraiment que j'avance d'abord dans mes cours et si je vois que j'avance pas, je tenterai, mais sans certitude, quoi. Ça m'ennuie, puisque j'avais enfin un dernier follow digne de ce nom, quoi. C'est ennuyant. Non, c'est pas ça, c'est ça. Allez, on va changer ça. C'est qui le dernier follow? C'est Mystic Stess. Mystic Stess. Et dernier sub à Kimbo, bien sûr. Ça qui fait bien plaisir. C'est Mastogan. Qu'est-ce que... Fairy Tail is back! Regardez-moi ces cheveux, c'est n'importe quoi. Regardez-moi ça. Il n'y a rien qui va. Je suis un lion? This thing is back sans aucune raison. Je suis un lion. En vrai, si j'étache la pince du dessus. Quelle chevelure incroyable. Coucou Tatou XP. Ouais, t'es un peu en retard. J'allais finir le live. Regarde. Ah, un lion. Toujours plus de chevaux. Je suis plus là. On me voit plus. Bonsoir, Tatou XP. Voilà. Dans mes cheveux. Maintenant, pour attacher tout ça, j'arrive en retard, je sais. Mais ne t'inquiète pas.
Dire que t'as rien raté serait te mentir. Tu tires aussi à l'arc à flèche, très chère mamie. Et ouais, je fais de l'arc à flèche, je m'appelle Rebelle. Je suis un mix entre réponse et rebelle, parce que... Et la petite sirène aussi, par la même occasion, on m'a déjà dit, donc... J'ai des longs cheveux. Maintenant, t'as loupé... Et putain, moi, la serpillère. Mais non, tu n'es pas une serpillère, non. T'as loupé... Ben, alors, ce que je te fais, c'est un résumé des dernières informations. J'ai eu 3 follow. Pas 3 follow, 3 subs. Il y a... Oceano. Je sais pas s'il est reparti entre temps. Je ne sais pas. Il y a Oceano qui s'est sub lors du dernier live. Merci Luna. Je m'appelle Mérida. Donc en fait, on a eu 3 subs qui sont Oceano qui a sub au précédent live. Et plutôt le jour même où j'ai fait le premier live test de la filiation. J'ai eu ce soir Mermouth qui a follow, plutôt qui a sub, et j'ai Akimbo qui a sub aussi. Ça, t'as un peu le gros. Et niveau follow, on est en ce moment occupé de subir des vagues massives de bots. De bots de follow, donc c'est un peu moins marrant. Genre, on a une bonne soirée follow-éthique. Non. On a eu 2 follow ce soir. Je remercie encore Mystic Tess et Rhymes. Et ensuite, ben ici, ben, c'était un follow. Comme quoi. Sinon, ben, j'ai débloqué quelques... Ouais, voilà, j'ai mis quelques emojis pour quand tu... pour quand tu subs. Et quand tu subs... Oh, mais oui, mais Akimbo, il va l'avoir. Je n'ai pas vu Akimbo avec le fameux badge du sub. Je ne l'ai pas vu avec. Ah, c'est triste ça, je vais devoir régler ça. C'est pas normal maintenant qu'on y pense. C'est pas normal. Et pour un petit résumé global, ben l'affilié, j'espère que tu n'as pas eu de pub, j'espère, mais bon, il y a des pubs avant le live maintenant, voilà, plutôt avant que quelqu'un lance le live, il y a des pubs, donc tu peux tomber sur une pub, donc ça malheureusement, ben, je ne sais rien y faire. C'est le petit bonheur, la chance, les personnes sur qui ça tombe. Je peux recevoir les Twitch Prime et des subs normaux. Les dons. Et les dons par Twitch. Et c'est tout dans les grosses lignes. J'avais fait ce magnifique PowerPoint. J'avais fait ce magnifique PowerPoint. Avec les emotes. Plutôt les différents défis. On peut me demander de boire, on peut rename un nom de Pokémon, on peut me demander d'enlever mes lunettes, donner une anecdote et me faire exploser dans sa fibre. Il y a les fameuses emojis de sub. Malheureusement, je n'ai pas vu l'emoji de sub chez Akimbo. Je vais regarder si c'est un problème ou pas. Les emojis proposés, tu vois. Donc, je suis ok, décidément. Là, tu vois un peu. J'ai décidé de live ben, comme ça. Parce que c'est la vie. J'ai décidé de faire comme ça. Tout simplement. Et j'en suis contente. Et puis ça me permettra peut-être d'enfin me balader plus souvent avec les cheveux pendants plutôt. Parce que vous me connaissez certainement. Vous m'avez jamais, presque jamais vu avec les cheveux lâchés. Sauf pour les photos. Et regardez, ils sont de type très long. Hein. Ils sont de type très long. Genre, je tends mon bras, s'il vous plaît. Ouais, mais par contre, là, ça ressemble à rien. Je tends mon bras, s'il vous plaît. Donc, à un moment... Et voilà, c'était pour le petit résumé. Je pense qu'on est bon. Je vais remettre mon casque. Et voilà.
je pense que je vais aller me coucher. En tout cas, c'est... Merci à tous ceux qui sont venus, qui sont passés. Merci pour les subs, merci pour les follow, merci à tous. Et je vais vous souhaiter une très bonne nuit. Ne me dites pas qu'il y a une mouchette dans ma chambre, je vais rigoler. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne nuit. On se retrouve pour un prochain live. Je vous tiens au courant sur Discord. Et je vais vous faire de gros bisous. Et sur ce, cœur, et portez-vous bien. J'espère que ce live vous aura plu. Et si vous repassez par après, que ça vous plaît, n'hésitez pas à follow la chaîne pour ne pas manquer le reste. Tu vas rigoler pourquoi ? Je sais plus pourquoi j'ai rigolé. Désolée, j'ai déjà oublié. Allez, sur ce, plein de bisous, bonne soirée, et cette chevelure que je vais attacher va vous laisser. Des bisous !